Alors. C'est toujours le problème de reprendre après plus d'un mois d'inactivité. J'ai enfin retrouvé le courage. Utiliser le perturbateur. Oh là là, c'est toujours le problème de partir après un mois de... De recommencer un jeu après un mois de pause. Pourquoi je me suis stoppé un mois? Si vous avez regardé les précédentes vidéos, j'étais un peu dégoûté de tous les bugs du jeu qu'il pouvait y avoir. Et voilà, j'avais vraiment pas envie de le continuer. Puis là, je me suis dit, allez, je vais quand même lui redonner une chance. Parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible que ça soit autant le boxon. Donc on va leur donner une chance à ce Mirror Sage Catalyst. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? On va savoir ça tout de suite. Oh. Ah d'accord, on a tous les mêmes godos. Alors pareil, ouais, on peut pirater des trucs. Pourquoi? Ils ont voulu sûrement essayer de faire des trucs communautaires, mais ça n'a aucun intérêt. Apparemment, tout le monde parle de ton retour. Mais en fait, je voulais te parler de ça. Tu veux t'en servir contre Dogen, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est. C'est quoi, un téléphone? Ah non, c'est le truc que j'ai ramassé. Ah oui, ça me revient. J'ai ramassé un truc, j'ai fait coucou et je me suis barré. Ouais. Plastique est parfois un peu... Enfin bref, vas-y, on verra ce qu'il en sort. Il y a vraiment un mec qui s'appelle Plastique. Son prénom, c'est Bertrand. Quelle horreur. Ok. Ok, où ça? Flingue, machine gun? Sniper? Ah. Ouvrir le kit. Kit de base. Il faut d'abord faire craquer l'armure, puis craquer ce qu'elle protège. Le kit messager contient de quoi personnaliser votre écho de messager dans les crantes. Quoi j'ai... Peut-être là. Ok, c'est toujours pas ça. Ah, peut-être là-dedans. Ah, votre écho activé. D'accord. Waouh. Waouh. Trop de personnification. Wouh. Ah, d'accord, mais il y a plusieurs kits en fait. D'accord. Ok. Merde, la musique chantée. Chop, 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 chop. Je vais me toper des... Mais je l'ai pas déjà pris, lui. Je vais me toper des droits d'auteur. En fait, c'est... C'est... Non, c'était pas ça. C'était comment j'avais fait? Ah, Y. Bon, écoute. Bon, on va reprendre la mission. Savoir où on en était, j'en ai aucune idée d'où est-ce que j'en étais. On va sortir par là, on verra bien. Quoique le truc, ça a l'air d'être derrière. Je peux passer par là? Oh, je le sens mal. Je le sens mal! Non! D'accord, bon, bah c'est pas par là. C'est pas par là. Espèce de faux monde ouvert où tu peux y aller mais sans devoir y aller. C'est le temps de m'y faire. Oh, moi je suis revenu là, ok c'est cool. Ah, le sens urbain il s'est activé, tout à l'heure il n'y était pas. De toute façon il faut que je ressorte du bâtiment à mon avis, ah, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oh, va falloir que je me réhabitue aux manipulations. Hey. Quand même. D'après Noah, tu as du matériel pour moi. Oui. Ça. C'est quoi? Un talkie-walkie? Fais en sorte de t'accrocher qu'on pourra vraiment... Un grappin. C'est le nouveau truc à la mode, ça, le grappin. On n'a pas d'inspiration, mais faut évoluer dans le gameplay. On a qu'à mettre un grappin.
Dans Assassin's Creed, dans Uncharted, dans Tomb Raider, dans... Partout. Maintenant, il y a un grappin. C'est sine qua non obligatoire et... C'est d'une tristesse absolue. Batman. On peut plus imaginer un jeu sans grappin, maintenant. Du coup, ils se copient tous. Du coup, il y a plus personne qui se copie, en fait. Et il n'y a plus aucune originalité dans le bazar. Surtout que là, ça sert pas spécialement... Mais non, ça sert pas spécialement le propos. Salut Nakira, oui, je me suis enfin motivé après un mois à le continuer parce que mine de rien, j'aime bien Edge, Mirror's Edge, je veux dire, j'aime bien Mirror's Edge. Et on va voir s'il est vraiment si nul que ça parce que c'est quand même dingue que le deuxième soit aussi nul que ça alors que le premier était tellement magnifiquement, génialistiquement bien foutu. C'est juste incompréhensible de ce côté-là. Et d'après mes souvenirs, d'après de ce que j'ai fait par rapport à la première vidéo, aux premières séries de vidéos, il y a eu un tout petit moment sympatoche. C'est tout. En quoi? En 2h, 3h de vidéo à peu près? Mais là, en fait, toute l'immersion du truc est totalement gâchée par le monde ouvert, en fait, qui n'apporte strictement rien, si ce n'est... Si ce n'est d'augmenter artificiellement la durée de vie du jeu. Uniquement. Et c'est triste. Voilà, c'est que des trucs joués. C'est quoi? J'ai pas envie de jouer. Enfin si, j'ai envie de jouer au jeu, mais j'ai pas envie de jouer avec un runner à gauche, à droite. Je suis venu dans Mirror's Edge pour me taper un scénario d'enfer et un level design d'enfer. Et on propose de jouer avec d'autres joueurs, communautairement parlant, sans... Et non en temps réel non plus, donc... Je sais pas trop, c'est pas mon type, c'est pas mon truc. Salut Erection. Ça doit te faire du bien de rejouer à l'Xbox. Alors oui, la manette, c'est un régal. Par contre, il y a un truc qui est génial sur PlayStation, c'est l'application Twitch. Elle est d'une perfection absolue, d'une fluidité extrême, même la caméra, vous avez vu la caméra sur PlayStation? Elle est d'une fluidité extrême, elle est aussi bonne que le jeu. Donc l'application Twitch est très très légère. Sur Xbox, j'ai l'impression de lancer un tank à chaque fois, vous avez vu la caméra, elle lag, il y a du décalage entre le son de ma voix et la caméra. C'est incompréhensible. Pourquoi ça fait ça? C'est incompréhensible. Pourquoi il ne règle pas ce souci? Enfin bref. On est quand même mieux sur Xbox malgré ses tout petits défauts. En l'honneur de Doven Key. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Ou alors c'est des petites courses. Ouais, ça doit être des petites courses. On s'en fout. Non, il va falloir que je me remette dans le bain aussi. Parce que sauter sur la cliquette, c'est pas terrible. Enfin, c'est faut que je m'y habitue, quoi. Quoi que ça va, c'est assez... C'est quoi, ça? C'est un aspirateur à vitre? Ah ouais, Bryson, ouais, c'est un aspirateur à vitre. Et ils ont pas voulu faire Dyson. Ils ont fait Bryson. Je suis là. Une pincée d'épices. Oh non, non, pas les trucs fragiles. On va continuer la mission principale. On va pas se faire chier avec eux. Je sais plus c'est quoi ça, c'est des points d'expérience? Si c'est des points d'expérience, il faut que je les prenne, quoi. Il me semble. Ah c'est ça, c'est des points d'expérience, donc quand j'en vois, il faut que j'en prenne. Je suis complètement paumé par contre. J'y vais, hein, je suis le... Voilà. Voilà, tout le début du niveau, ça fait quoi? Ça va me durer 5 minutes, le temps de me rendre là où je dois aller. Ne sert strictement à rien, on se fait chier, on est perdu, et... C'est du rallongement de durée de vie à récupérer les Greedy Leaks, à récupérer les puces. Pour qui, pourquoi, pour quand, pour comment, n'a aucune utilité en soi, ce qui est vraiment dommage. Ah. Faut parler à Plastic Bertrand. C'est quoi déjà qui chante Plastic Bertrand? Salut Bilolo! Hein? Hein?
Où sont les femmes? Ah non, c'est Dave ça. Non, c'est ça, Plastic Bertrand. Où sont les femmes? Avec leurs gestes pleins de larmes. Ah, désolé, carton, je suis en. Je suis en stream. Je crois que tu peux rejoindre le mien. T'as failli passer. Excuse. Entre. C'est toi, Plastic Bertrand? Ça va, Bilolo, ça va. Donc, c'est toi, Face. Qu'est-ce que tu veux? Pourrais-je jeter un œil? Y'a quoi là-dessus? Montre. Bah non, c'est pas une montre, c'est un espèce de disque dur. Elle est bien, plastique. Elle a du charme, plastique. Oui, rejoindre le gros... Attends, est-ce que ça va couper? Ça va pas couper le stream, quand même. La ferme, tu m'as... Allô? Ne fais pas attention, j'ai des réglages à... Et allô? Ça va? Je suis en train de streamer, j'ai enfin trouvé le courage de streamer Mirror Sage. Omnistat gros cryptage. Ouh. Ils veulent sûrement le récupérer. Plus tard, bah, plus tard. En fait, pas une question non plus. Tu les veux quand les données? Bah, ah ouais? Aujourd'hui, si tu peux. Oh, plus tard. J'ai streamé un peu Mirror Sage. Je vais essayer d'avancer, savoir si le jeu est vraiment bien ou s'il est vraiment acheté. Dégote-moi un grid node. Voilà. Tu sais ou attends un mois, hein? Pas pour un grid node. Je fais comment? Il faudrait que j'accède à la passerelle Holcomb. Après, je fais tout à distance. Ça marche. Ça marche. Ah bah, tu vois, elle dit ça marche aussi. Eh bah, j'aime beaucoup Plastic. J'aime beaucoup sa plastique, elle a une très très jolie plastique. On y va. Le chara-design est beaucoup moins classe que dans le premier. Ah non, ça recommence avec les bugs à deux balles. Ok, donc en fait, c'est dès qu'on lance une mission, les bugs ils sont uniquement en mission. Dans le monde ouvert, il n'y a pas de bugs, mais en mission, il y a des bugs. Je crois que ça va pas durer longtemps la reprise. Hein. Et puis, ça va... Oh putain, et puis je vais abandonner le jeu en fait. Regarde-moi ça. C'est incompréhensible. Va m'aider à dérouter la puissance de calcul de la passerelle Holcomb. Je crois que ça va être un let's play avorté. Même No Man's Sky est plus intéressant de ce côté-là parce qu'au moins ils patchent leur jeu. Bordel de merde. Et je fais quoi? Voilà, je fais quoi? Je joue comment? Je prends comment plaisir au jeu? Vous avez testé votre jeu, bande de branquignoles de développeurs? Sérieux? Le jeu est merdique. Le monde ouvert ne sert à rien. Le chara-design est à chier. On peut améliorer son personnage. On doit avoir de l'expérience pour qu'il puisse faire une roulade. Alors, sachant qu'on est un messager ultra expérimenté, on doit savoir déjà tout faire d'entrée. Et il est ultra buggé le jeu. Et il est pas fini. Ou il est fini à la pisse. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je l'ai chopé à 20€ quand même ce jeu, ou 10€, je sais plus. Non mais le premier était tellement bien. Oui, c'est vrai que c'est pas une raison pour m'énerver, ça c'est sûr. C'est incroyable. Ça a l'air de se satisfaire. On dirait que c'est des... C'est des zones dans le jeu qui sont totalement buggées, il y a des zones qui sont pas buggées. Dans FF Brave Exvius, je suis bloqué dans le Colisée. S5, pareil, le boss, j'use 5% des vies et je me fais démonter la gueule. Donc, je sais pas, je verrai plus tard. Oula, il y a quelqu'un. Oula, il y a du monde. Merde. Par contre, il y a des jolis effets, voilà, les jolis effets là, de métallique, de réflexion métallique qui sont vraiment super sympas. Voilà, les jolis effets de réflexion du parquet du sol qui sont vraiment agréables. En fait, attends, j'ai gagné des points d'expérience, ça marche comment? J'ai combien d'expérience? Ah non, j'ai 0 points, il me faut encore 500 points d'expérience pour passer de level, ok. Je suis où? Je pars là. Oui, mais toi, tu es au S5 début. Non, je suis au boss, je suis au grand dragon blanc. Au grand dragon blanc, j'ai usé 5% au machin. Avant de me faire. Du parquet du sol, ouais, je sais pas si c'était du parquet, du carrelage ou quoi, donc autant aller les deux fois du.
C'est vrai que j'ai rarement vu du parquet au plafond, mais qui sait, c'est possible, hein. Je suis chez WF Yco. Ah, je peux leur parler ? Y a un ascenseur à l'extérieur, pratique pour monter, je pense. Regarde, on a joué à Halo, qui est un jeu de 2000... 2, 3, 4... Où il y avait plus d'interactivité avec les personnages que ce jeu-là. C'est... Ah ? Il m'a donné un document ? Pourquoi il m'a donné un document ? Mais qu'est-ce que tu fous là, d'abord ? T'es qui ? Tu me regardes, tu fumes pas, t'es juste là, tu sers à rien. T'habites là, y'a pas de... Ça sert à rien. Pourquoi t'es là? Pourquoi les développeurs l'ont placé là? Quelle était l'utilité du level design de placer ce bonhomme là qui ne sert strictement à rien et ne fait strictement rien? 2001, merci Erection. Le chara-design, ils l'ont ultra-sexualisé. Alors oui, elle est jolie comme ça, mais elle a perdu toute sa personnalité qu'elle avait dans le... C'est clair. Je me doutais que ça venait d'ailleurs, mais Omnistat, ça doit avoir de l'importance pour qu'ils envoient des agents jusqu'à glace. Ouh, pas mal comme ça, par contre. Pourquoi Kruger s'est garé au niveau de sécurité. Viens là. Le volume d'infos du grid a été multiplié par 10. Ça m'étonnerait que Gabriel Kruger soit heureux de voir des agents de l'Omnistat ruinés au cœur de son petit royaume. Ah, pourquoi? C'est un roi, peut-être? J'ai faim, c'est drôle. Laisse tomber. Ah, elle se tient contre le mur aussi, c'est vrai. J'ai déjà fait une photo comme ça, d'ailleurs, où on voit pas l'appareil photo, c'est assez cool. Ah tiens, les aspirateurs à vitres. Mais ils sont toujours que vers l'extérieur, c'est dangereux si ça tombe sur quelqu'un, ça se passe quoi? J'adore comment elle frappe le bouton au lieu de calmement appuyer dessus, elle aussi elle est énervée que toi. Ouais, mais qu'est-ce que je fous dans ce jeu de merde, quoi. Voilà, le grappin qui sert à rien. À part rajouter un peu d'action là où il en manque, et putain. Il faut appuyer sur le bouton pour lâcher le grappin, c'est vrai. Merde, le jeu il était stable, ça va me refaire des bugs, j'ai l'impression. Tiens, tu veux bien allumer le... Oh non, ça va l'énerver. Bah, je suis où là? J'étais pas là? Ou alors ça m'a validé après le grappin? Bah, je crois que ça m'a validé après le grappin, parce que même les checkpoints quand tu meurs... Merde, même les checkpoints quand tu meurs sont mal foutus. Ok. Ok, ok, jeu. Ok, y a rien qui a été finalisé dans ta finalité? Pourquoi je monte sur un mur en gruyère? Salut Naragor. C'est comme le métro, tu sais, je suis monté pour descendre. Oh, on va le tabasser sa gueule. Taïo ! D'accord, raté. C'était quoi déjà le bail ? Oh. C'était quoi déjà le bail ? Il y avait un truc pour les infiniser à mort. Oh là là. C'est Skrillex qui a fait la BO, l'OST du jeu, quoi. Le dragon, je lui enlève au moins 75% de vie, sérieux ? Je lui enlève 5 ou 10% de vie. Et encore, je crois que c'est 5% de vie. Un commutateur prioritaire. Le plus proche est quelques étages plus bas. Face, les dispatchers de Kruger Sec disent qu'il y a du mouvement dans l'immeuble Holcomb. Les dispatchers de Kruger. Comment ça, à mon avis ? Bien sûr que c'est elle. Bon, évite de traîner. Qu'est-ce que c'est que cette zik ? Pourquoi elle traînerait ? Il faut seulement faire vite, plastique. Je suis sûr qu'elle fait le maximum. C'est une messagère, non ? Oh! Ah non, j'ai cru. Bah, il sert à quoi ce coup? D'accord, c'est toujours le même enchaînement. C'était quoi que j'ai. Comment je fais? Ah, peut-être. Ah, c'est Y! C'est ça, c'est Y. C'est Y les coups de savate. Je le chope là? Non, je le chope pas.
Ah, j'aurais peut-être dû aller sur le mur, tout simplement. Vu que le jeu est mal codé, peut-être qu'il va me checkpointer à la phase d'après. Ah, par contre, voilà. Ok, super. Ok, mec! Pas de soucis, on va jouer comme ça. Hein. En fait, je suis en... Ah, je suis mort. Non, je crois que je vais pas continuer le jeu, hein. Je vais pas le continuer dans ces conditions. C'est ridicule au possible. Et si je fais recharger au point de passage, ça fait quoi? Quelle merde! Mais quelle merde! Quand je pense à ceux qui l'ont acheté 60 balles ou 70 boules ou même plus, je crois, avec les collecteurs qui devaient être à 80 ou 90 euros. C'est un truc de dingue. C'est pas une raison. Bon, je vais arrêter là. Ça va être un let's play avorté. Ce jeu, je l'efface tout de suite. Et je vais rejoindre Cartoon qui m'a proposé un Rocket League. Ça va être beaucoup mieux. N'achetez pas ce jeu. Et si vous voulez dans un magasin, pissez-lui dessus. Bye. Ou peut-être à tout de suite. Ça dépend.